Frédéric, l'amour est dans le pré, annonce une terrible nouvelle. Une IRM cérébrale pour déterminer la localisation de l'AVC et ainsi adapter les traitements nécessaires. Un rendez-vous ophtalmique est également prévu pour évaluer les lésions et les traitements possibles pour limiter les conséquences de la perte de vision centrale de son œil droit. Frédéric reste optimiste pour sa mère et espère qu'elle récupérera au mieux de sa santé. Frédéric parle de la santé de sa mère, on aurait pu la perdre. Pendant son entretien, Frédéric s'est confié sur la santé de sa mère, un sujet qui la touche particulièrement. Elle a commencé par expliquer les difficultés rencontrées. C'est une situation difficile à gérer, cela me perturbe énormément. Puis, elle a détaillé les différents problèmes de santé que ses parents ont dû affronter, en particulier la COVID qui a failli emporter sa mère il y a un an. Frédéric a également évoqué les défis que posent des parents vieillissants, expliquant qu'elle se sentait parfois comme les parents de ses parents. Elle a exprimé son profond attachement à ses parents, soulignant qu'elle avait eu la chance d'avoir des parents aimants et qu'il était donc inconcevable pour elle de ne pas prendre soin d'eux. Finalement, Frédéric a conclu en disant qu'elle espérait que sa mère continuerait à aller mieux, et a exprimé sa gratitude pour les soins médicaux qui ont sauvé la vie de sa mère. Elle a également souligné que l'expérience lui a appris à quel point il est important de prendre soin de ses proches, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes de santé.